Bonjour, donc je m'appelle Yves-Mine Mesnage, je suis animateur en aumônerie 4e 3e. Alors je m'appelle Xavier Laroche, voilà, j'habite à Gradignan, tout simplement. Je suis Leylan Nival, je vis à Bordeaux et je fais du catéchisme. À Saint-Amand. Bonjour, je suis le père Laurent Dubosc, le curé de Saint-Seurin, Saint-Ferdinand et Saint-Bruno à Bordeaux. Nous venons de la paroisse Saint-Seurin à Bordeaux, je vous présente Coab, le chevalier, qui va passer sa première communion le 11 juin prochain. Bonjour, on est la famille Chassin, donc Edouard. Elzéa. Paola. Anouk et Isor. Voilà, et on vient entourer Elzéa qui vient faire sa première communion. On est du bassin à Andernos, c'est ça, du bassin d'Arcachon, voilà. Je suis Jean-Marie Desperoux. Je suis Jean-Pierre Sud, voilà. Je crois que le pèlerinage diocésain, c'est quand même un moment fort de notre diocèse. On est venu parce qu'on voulait faire un pèlerinage, parce qu'on voulait prier, parce qu'on voulait être en famille, parce qu'on voulait voir qui c'était Bernadette, la grotte. Donc pour ce week-end du 7-8 mai, je suis là avec mon petit groupe de 4e, 3e. Je suis déjà venu comme brancardier pendant 2 semaines. Et par contre, en famille, oui, c'est la première fois. Alors, je suis venu à Lourdes avec des gens de mes paroisses, et en particulier les enfants qui se préparent à la première des communions. Avec le groupe mené par Jean-Marie Desperoux pour de chant, voilà, pour l'animation liturgique notamment. Et du coup, je suis content aussi parce que je retrouve l'hospitalité bordelaise dont je fais partie et j'accompagne les malades l'été. Ils sont là aussi en pèlerinage des aînés. Donc ça me permet de retrouver des malades que je connais et des amis hospitaliers, hospitalières. Un temps familial, on a fait le geste de l'eau. Donc tous ensemble à la piscine et on a pu confier notre famille à la Sainte Vierge et à Sainte Bernadette aussi. Et surtout à Elzéa. Et partager ce beau moment de lavage des mains, du visage et de boire l'eau de Lourdes. La Vierge Marie invite à se laver, invite Bernadette à se laver à la fontaine. C'est ce que nous avons revécu en allant à la piscine, en nous lavant les mains, le visage et en buvant l'eau de la source. Le Seigneur donne sa beauté, guérit, purifie le cœur de ceux qui font cette démarche-là. Je trouve que c'est bien de se retrouver comme ça en diocèse, dans des lieux comme ici, de temps en temps. Ça fait du bien, je pense. Enfin, moi, au moins pour moi. Un super week-end de retrouvailles, ça fait plaisir avec Marie. Et comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, comment ?